Première question avec euh, cette multiplication hein, des, des, des violences qui montent sans arrêt, est-ce qu'on va vers une troisième intifada Ça, on ne le sait pas encore. En tout cas, cela fait quatre mois que l'agitation perdure dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est et également dans une partie de la Cisjordanie. Cela dit, euh, cela est fait, là, une des raisons, c'est d'abord la colonisation renforcée à Jérusalem-Est. Et aussi le problème de l'esplanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam, mais qui est aussi le mont du temple pour le judaïsme. C'est en quelque sorte le trou noir du conflit au Proche-Orient. C'est là que se rencontrent l'islam et le judaïsme. Or, depuis quelques années, de plus en plus de fondamentalistes messianiques israéliens. Vont visiter cette esplanade des mosquées. Cela se passe du dimanche au jeudi pendant plusieurs heures. Les policiers israéliens leur interdisent toute prière juive à voix haute. Cela susciterait des provocations pour les musulmans. C'est interdit. C'est cela... hein. interdit. Dès que quelqu'un prononce une prière en hébreu à voix haute, il est expulsé. Alors, le statut de ce lieu saint. En juillet 1967, un mois après la conquête par Israël de la vieille ville de Jérusalem et de l'esplanade des mosquées, les, le gouvernement israélien a décidé de ne pas prendre de décision. S'il autorise la prière juive, euh, c'est un problème pour euh, les musulmans, pour l'islam, troisième lieu saint, je le répète, mais il ne peut pas non plus l'autoriser, il ne peut pas non plus l'interdire officiellement, puisque c'est l'endroit où se dressait le seul lieu saint juif. Donc la responsabilité de l'ordre sur les mosquées dépend uniquement de la police israélienne qui surveille l'endroit. L'administration même est laissée au WACF, l'administration des biens musulmans, qui est sur la responsabilité du roi Abdallah de Jordanie. Voilà à peu près où on est. Les Palestiniens, les musulmans sont persuadés qu'il y a des visées sur leur mosquée, leur lieu saint. Il faut dire que le mouvement messianique se développe. Il y a un institut du temple à Jérusalem qui reconstitue tous les ustensiles du culte juif pour le jour où le temple sera reconstruit à la place des mosquées. Et il y a un architecte qui prépare les plans. Cela alors que, dans l'esprit des rabbins nationalistes, ils ont gagné en Cisjordanie, 360 000 colons en Cisjordanie. Leur main mise ne peut être plus mise en question. Ils se tournent maintenant vers l'esplanade des mosquées, l'endroit où se dressait le temple, pour réclamer le droit d'y prier. Au cours des derniers mois, 15 reprises, une, la présidente de la commission de l'intérieur du Parlement israélien a tenu des débats sur le principe, les juifs pourront-ils prier sur cette esplanade et cela risque tout simplement d'embraser la région. Euh, quelle est le, la position de Benjamin Netanyahou Officiellement, il dit qu'il n'y aura pas d'autorisation de, de prières juives euh, sur l'esplanade des, des mosquées. Il est bousculé à sa droite Oui, il est bousculé à sa droite. Euh, il aimerait bien, effectivement, autoriser la prière juive. Il est lui-même un nationaliste. Il a pris des positions quand, dans ce sens quand il était dans l'opposition. Mais il sait parfaitement que la prière juive sur l'esplanade des mosquées, c'est de la rupture immédiate des relations avec la Jordanie. C'est un traité de paix et c'est une crise régionale. Et vous savez, selon un analyste des renseignements israéliens, cela risque tout simplement de provoquer une véritable guerre de religion. C'est l'endroit où. L'islam et le judaïsme se confrontent. C'est l'endroit ultime. C'est la raison pour laquelle les négociations israélo-palestiniennes ont en fait raté, n'ont pas réussi jusqu'à maintenant. Justement, Charles Anderlin, là, visiblement, les, les nationalistes des deux bords hein, se font face maintenant. C'est eux qui jouent en ce moment sous nos yeux. Que font les négociateurs euh, pour essayer de renouer le fil du dialogue On a l'impression que là, les négociations, elles n'existent plus du tout. Vous avez tout à fait raison, il n'y a aucune négociation. Il y a une véritable confrontation diplomatique entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahu. Les États-Unis abandonnent le terrain Je crois que les États-Unis ont tout simplement renoncé. Les dernières déclarations qui venaient de la Maison Blanche il y a quelques mois, c'était ben bah, écoutez lorsque vous serez sérieux et que vous aurez envie de le faire, appelez nous. Un dernier mot sur le, le statut Est-ce que ça vient Est-ce que c'est maladroit selon vous le fait que la Suède, dans ce contexte Très difficile, reconnaissent, c'est le premier État occidental de l'Union européenne, euh, l'État de Palestine. Écoutez, c'est ce que cherche euh, l'autorité palestinienne, c'est ce que voudrait Mahmoud Abbas. Lorsque je parle entre quatre yeux avec les dirigeants palestiniens à Ramallah, est-ce que vous aurez un État 360 000 colons, bientôt 400 000, qui va les évacuer Vous avez un territoire en peau de panthère Ils me disent, oui, on sait qu'on n'aura pas. Mahmoud Abbas a euh, 80 ans, il est sur le départ. Il essaye de laisser des reconnaissances par l'Europe si possible, par d'autres États, des résolutions de l'ONU, de l'Assemblée générale. Et puis c'est ce qui restera et ce sera la génération suivante qui verra ce qu'elle fera. Peut-être un État palestinien, peut-être un État binational. La, la situation est vraiment bloquée. Merci euh, quand même, Charles Anderrin, pour cet euh, éclairage.